Yo les gars, c'est Guéoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va pas tergiverser plus longtemps, c'est simple le concept. Il y en a un ici, on va vous raconter plein d'anecdotes. Vous allez devoir deviner et essayer de faire votre propre avis sur les petites vannes qu'on va se lâcher. Donc si vous kiffez les gars, n'hésitez pas, le pouce bleu, les abonnements et les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Et on est parti. Let's go. La voilà. Allez moi je commence. Ça part. Il y en a un ici, il assume pas d'avoir fait son coming out. Il y en a un ici qui a pas assumé d'avoir fait son coming out. Ouais c'est... Ça tu vois. Il y en a un ici, il était tellement excité par quand il était avec une meuf qu'il s'est pas déshabillé et ça lui a fait un bleu sur la bite. Sa bite elle est folle. Il y en a ici, ils ont accroché une fille à un arbre en primaire pour l'embrasser. C'était pas un arbre, c'était un poteau. Ah, c'était pas. Mais ah non, c'est pas moi. Mais putain, si, c'est toi, t'étais dedans. Non, non, c'était pas un poteau, moi c'était un arbre. Mais non, c'était pas un gris. Mais non. Mais là, je sais que Kikrem il avait fait. Mais tu l'as fait. Non, mais c'est lui qui l'a fait. Mais moi j'ai pas embrassé. Ça crée des bordels. Non, moi je l'ai séquestré. Mais ça va. Alors je vous explique, en gros en fait je non mais moi aussi faut que j'explique parce qu'on n'a pas fait ça sur un arbre. Du moins c'est juste que... Ouais, donc, Kevin, c'est bon, Kevin a vraiment fait ça. Bon en fait on jouait au gogos, elle nous faisait vachement chier. Elle nous mettait des terres dans la tête, j'ai fait les gars, allez choper une corde à sauter, on va l'attacher. Ah les gars, prenez une corde. Il y en a un qui s'est branlé sur un dessin animé. Ah oui. Non, ça fait partie de mes phrases. Attends, je peux confirmer, je peux dire un peu plus. C'était sur Tom Tom et Nana. En fait les gars, je vous remets en contexte. Non mais t'es pas obligé de dire qu'à chaque fois. J'en ai une. Il y en a un qui pensait qu'un an d'entre nous ne faisait pas partie de la famille pendant plus de 5-6 ans. C'est vrai ça. C'est Thibaut. Thibaut il croyait qu'Ethan n'était pas partie de la famille. Il a balancé. Thibaut il pensait que comme t'étais jamais là, il pensait pas que tu faisais partie de la famille. Non mais je crois que le... pas dire qu'il oui non, non c'est pas dire mais ça a pas compris le concept. Parce que bah on se parlait jamais. Genre vraiment quand je voyais tous mes trucs Noël, tout ça et tout, dans mes souvenirs, t'es jamais là. Moi, moi quand je te voyais, je me disais ah mais c'est le pote de Clem et tout. Arthur ce cousin. Vas-y j'en ai une maintenant. Il y en a plusieurs ici qui ont vu un de nos darons en train de foudroyer la belle-mère sur le canapé. La belle-mère, elle était païen. La belle-mère à coup de 1. En vrai, ce soir-là, on était tous en mode. Ok, les gars, moi j'ai une grosse dinguerie. Allez, vas-y, vas-y. Y'en a un ici, il sortait sa bite pour jouer avec son chien. Pas le dire, on dit pas. Ah, on dit pas, on dit pas. On dit pas. Faut, faut aussi qu'il devine. Okay, est-ce qu'on a le droit de lâcher des dingueries? Bah, tu peux, vas-y. Y'en a un ici, il a foudroyé sa cousine. Non, il a embrassé sa cousine. Tu veux enchaîner là-dedans, Nolan? Attends, tu veux enchaîner là-dedans? J'en ai une. Ils sont visés, je trouve. Quoi? Non, 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 rien à voir, rien à voir. Je m'en visais quand même. Rien à voir, rien à voir. Il y en a un ici qui, pendant sa première fois, il regardait TikTok et il est tombé sur moi. On dira pas qui c'est. Abonnez-vous à TikTok, ça fait jouir. Il y en a ici, ils ont encore leur ancien compte de youtubeur sur Insta. Oh putain. Oh les gars, est-ce que je lâcherai pas le blaze? Kobe Warrior. ES Nolan 02. Allez les photos. Allez les photos. Pour les mettre à la vidéo si tu veux. Oui, on les met, on les met. Instagram. Il y en a un, il s'est pris un doigt dans le cul par sa meuf et il a bien aimé. D'ailleurs, il conseille à tout le monde. Faut pas dire qui c'est, faut pas dire qui c'est. Il y en a ici, ils avaient la coupe à Justin Bieber. Il y en a un qui meurt. Mais c'est pas moi, ouais. C'est toi. Et à ce moment-là, je faisais pas partie de la famille, pourquoi donc pas. Non, mais lui, il avait la coupe à Justin. Moi, je l'avais. Voilà, voilà. Moi aussi, moi aussi. Allez, ça balance des dossiers, super. Il a jamais pu, mais. Eh les gars, il y en a un ici, à chaque fois que je parle de lui à mes potes, ils me disent. Ah mais il est pas gay. Oh, tout le monde pense que je suis gay. Et moi j'en ai un. Il y en a un ici, il a fait découvrir le porno à sa cousine.
Yeah, baby. Il y en a plusieurs ici qui ont fait découvrir le porno à sa cousine. Vas-y. Il y en a un ici, il m'a fait des attouchements sexuels pendant que je dormais. Extrait. Il m'a touché les fesses pendant 2 minutes. C'était une demi-heure, c'était pas 20 minutes, c'était une demi-heure. Exprès, d'accord. Ok, il pense à alors, je vais m'expliquer parce que celle-là, j'ai envie de la raconter. Bon, je dors. C'est toi ? Non, mais c'est un pote qui me l'a. Ah, c'est un pote qui m'a dit que. Qui m'a dit qu'on dormait ensemble et que en fait j'avais tellement l'habitude, parce que j'habitais avec ma copine à cette époque-là. L'habitude. Ah. Les deux. Les deux. En fait, j'étais tellement habitué à dormir avec ma copine parce que j'habitais avec ma copine à cette époque-là que, avec Pineclas, on dormait ensemble et pendant la nuit, j'ai eu le réflexe de mettre ma main sur son cul. Mais je suis resté vraiment une demi-heure avec ma main sur son bon petit cul là. D'un coup, je me suis réveillé, je fais oh merde, c'est Clément. Et le matin, je me sentais trop mal. Je lui ai dit que cette nuit, j'étais touché trop de balles quoi. Il m'a fait ah ouais, il s'en est pas rendu compte. Ouais, t'as kiffé. En fait, c'est lui la personne qui a pris un pouce et qui le recommande. Il y en a un ici, il mettait des films de boules pendant qu'il travaillait. Ouais, mais ça c'est classique. Ça c'est classique. Il y en a un ici, il a confondu sa bite avec une mouche. Il y en a un, il appelle son zob The Bilamouche. Ouais, voilà. Il y en a un, il a cru que les M&M c'était des Pokémon quand il était petit. Celle-là est trop bien ça. Alors, il y en a un ici, son cul c'est pire que Auschwitz. Oh, elle est ratée, mais. Oh, yo, vas-y, elle est ratée. Il y en a un ici, son cul c'est pire que Auschwitz. Pourquoi Auschwitz? C'est parce que c'est poilu ou pas poilu? Non, ça pue. Ah! C'est trop bâtard, d'accord. En fait, Thibaut, il a pas compris le concept. Il y en a un ici, il a. Presque. Allez, vraiment, tu vas y arriver, mec, je te jure. Vas-y, refais. Refais. Il y en a ici, il a rasé le cul de l'autre. Bon, allez, Thibaut, lâche une dinguerie là. Il y en a ici, il prend toutes les serviettes quand on va à McDo et à KFC. Il les collectionne. Pour les ramener chez lui. Bien sûr. Et s'en servir, pour pas acheter de sopalin. Moi j'avais des économies. Le rat. Voilà. Et on en parle de un rat, mais en fait il y en a deux. Genre, il y en a ici, le point mort quand il est en descente quoi. Genre là, il est en point mort. Mais c'est normal, c'est pour viser de l'essence. Il y en a un ici, il a demandé à son frère de partir de la maison pour avoir des gâteries de sa meuf dans toute la baraque. C'est qui le chien qui a viré son frère? Moi j'ai qu'une sœur, donc c'est pas ouab. Il est avec ta sœur, t'as fait sortir. Ah voilà, je dis pas plus. Il y en a ici, il a reçu une nude d'une meuf de 33 ans. Oh la grosse maïf. Hey, il y en a ici, c'est branlé sur Ben 10. Ah ouais, transforme-toi là. Ouais. Wow. Oh Gwen. Oh, avec tes quatre mains là, vas-y. Par devant, par derrière, t'aimes ça hein. Il y en a un ici, il pensait qu'il parlait à Squeezie sur Twitter. Il est étonné. Et là, Squeezie, ta nouvelle vidéo avec Cyprien. Bonne année. Salut mec, yo, je t'aime. Il parle tout seul. Il y en a un ici, il croyait qu'il avait le même problème de ce geek que son frère, mais en fait non. Allez, Clément, viens devant. Et là, devant, il a sa place de youtubeur. Ah, je sais plus, tu veux quoi là, ouais. Vas-y, balance le dossier. Il y en a un ici, il a trompé sa copine. On cherche qui? Ok, donc je sais pas qui c'est. Mais... J'espère qu'il n'y a pas une de vos copines qui regarde la vidéo. Ah, je connais. Waouh, il y en a vraiment un ici qui a vraiment branlé. Ah oui, il y en a un ici, il a branlé le yin jusqu'à qu'il finisse. Ah, je pensais pas jusqu'à qu'il finisse. Il en pouvait plus, t'es là, moi. Arrêtez, nouvelle, arrêtez. J'ai réglé ça dans la vidéo. Oh, qu'est-ce que ça aurait été drôle. Non mais tiens, en plus, tu sais, t'as son corps qui fait un sandwich, c'est bizarre. Et le gars qui a l'idée de branler un yin. Ça va. Non. C'est un point mort. La sentence est irrévocable. On est en descente, c'est le point mort. Ça économise de l'essence, je vous jure, ça économise de l'essence. Il est en point mort là. Ouais, il est un point mort. Il y en a deux ici, ils ont fait exprès en vacances de se donner mutuellement les champs pour être chacun avec une meuf. Et les deux, ils ont rien fait. C'est long. C'est l'histoire de tout le monde. Et deux ans rien fait. Tu n'aurais pas deux ici qui auraient foudroyé une famille. Ok, moi j'en ai un. Il y en a ici, ils ont fait un concours de branlette et il s'est avéré que c'était le plus petit qui avait gagné. Et il avait la plus grosse bite. J'allais dire, il y en a un ici, quand on était petit, on nous a aligné tous à poil. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et le plus petit, c'est celui qui avait la plus grande. Voilà. Son surnom,
Zizi Tour Eiffel. Zizi Tour Eiffel. Et le pire, c'est qu'à notre âge, c'est encore lui qui est la plus grande. Bon, bah l'équipe, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à mettre les commentaires, ça fait plaisir. On s'est confié, ça fait plaisir. Ok. Bon, bah les gars, mettez le pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kevin. Bye les boys. Ciao. Ciao les potes.